Et bonjour à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer préféré, du moins je l'espère. Donc on est parti pour l'unboxing de mon casque que je viens de recevoir, l'HyperX Cloud 2. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous montrer le casque. Voilà, donc voilà le packaging, il est pas mal, il est vraiment bien fait, il est très très joli. Voilà, vous avez le dessus, le côté, vous avez derrière, donc vous avez tous les éléments qu'il y a dedans. Donc avec les écouteurs, je suppose. Je ne sais pas si vous pouvez monter. Et la fameuse télécommande, mais bon, ça marche vraiment que si vous avez une télé adaptée. Donc moi, je ne pense pas profiter du son maximum, mais c'est pas grave, sur la PS5, ça marchera très bien aussi, quand même. Hein. Le son, il sera quand même nickel. Mais voilà, donc le confort légendaire. Donc l'HyperX Cloud 2, donc on procède donc à l'unboxing du casque HyperX. Donc voilà, hop, il suffit d'enlever l'emballage. Et ensuite, voilà comment se présente le casque. Avec la petite notice explicative, je suppose. Voilà, donc ça s'adapte sur la console quand même, malgré qu'on voit qu'il y a le PC. Et évidemment, sur la télé, donc voilà, tout simplement. On va sur l'ordinateur, enfin sur deux ordinateurs. Mais normalement, ça s'adapte. Donc vous voyez, le casque, comme il se présente, il est là. On retire la petite protection. Donc ça, c'est sûrement des coussins de rechange. Voilà, ça c'est le casque en lui-même, pardon, excusez-moi. Donc il y a deux coussins de rechange, a priori, voilà. Bon, c'est pour atténuer un peu plus le bruit. Et à l'intérieur, donc vous avez le casque avec son fil et le micro à part, donc vous pouvez détacher. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Voilà, donc ça c'est le casque. Avec son petit branchement et le fameux micro. Donc là après on va le tester en game. Donc voilà, je sais pas si, bon, je pense que je ferai la suite de la vidéo avec le texte en game, enfin que le texte, ah j'arrive plus à parler, avec le test en game. Donc voilà, donc je pense que là on peut tout ranger. Donc on va faire des coussins nickel. Donc vous avez vu hein, le packaging est très très joli, hein, franchement. Le casque apparemment promet, pardon, excusez-moi, l'avant promet des bonnes performances. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, donc enfin on se retrouve après pour une nouvelle vidéo avec le test du casque. Voilà.